Salut, salut à toutes et à tous, c'est le Calversa de Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de GTA 5. Bon, d'abord droite, droite, gauche, gauche, tac. Et là je suis avec ma soeur, c'est une vidéo où on va se dire qu'est-ce qui manque dans GTA Online. Cette vidéo, ça faisait des mois que je voulais la faire mais je trouvais pas le temps. Donc voilà, que manque-t-il dans GTA 5? Donc ma soeur, je vais lui laisser faire ce qu'elle veut. Et puis, on va commencer. J'ai pas pris de notes. Je vais... Qu'est-ce que tu veux faire? Un tennis? Ok. Donc, je vais voir... Je vais voir... ce que je Qu'est-ce qu'il fait? Oh, regarde, il lui donne une leçon. C'est on s'en fermé. Fout. On s'en fout, monsieur. Fermé. Mais non, pousse la porte. Voilà. Ah. Non, c'est de l'autre côté, c'est le terrain. Voilà, bonne journée. Et donc voilà, on va commencer. Alors moi, tout d'abord, parce que c'est moi le chef, non je rigole. Je trouve que dans GTA V, il manque... Merde, qu'est-ce que je voulais dire? Et voilà, j'ai oublié. Putain. Bon mais d'abord toi, alors qu'est-ce que il manque pour toi dans GTA V Online? Alors, j'étais moi, à 5 tout court aussi. Moi, il manque des contacts avec le décor. Des contacts avec le décor comme... exemple, je sais pas, quand il y a des garages ouverts ou quoi, on peut pas y rentrer dedans. Comme dans les cabines téléphoniques. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Quand il y a des garages, tu peux pas rentrer dedans, c'est ça? Oui. Ok. Voilà. Là, tu mets. Rejoindre une partie. C'est un vrai joueur qui joue? Ben oui, ça va être un. C'est pas grave, tu vois. Ben puisque je. Ouais, bon, bref. J'essaye de me rappeler, mais. Ouais. Toi, tu veux dire que par exemple, quand il y a une maison, tu peux pas entrer dedans et tout? Oui. Ah ouais, d'accord. Vas-y, si mais les portes allaient ouvrir. Confirmer paramètre. Confirmer paramètre. Et voilà. Inviter auto-jouer. Inviter auto-jouer. Rapide. Où? Bon, deux. Attendez. De la session, il n'y a que les membres de mon crew. D'ailleurs, dans cette vidéo, hop. Je vais faire une dédicace à ceux qui jouent. Donc, Siméon avant tout. Barbarif. Bon, pas Barbarif parce que fait chier. Césariam et Mickey 68. Yo. Attends, il n'était pas en culotte. Si. Ok. Bon. Il y en a beaucoup d'invités. J'espère qu'ils pourront te rejoindre. Il y en a au moins un, à mon avis, qui va pouvoir te rejoindre. Mais normalement, tu ne joues pas contre quelqu'un? Entre un... Si tu peux pas jouer toute seule. Une fausse personne. Ben si, au mode histoire. Mais après... Comme, et au golf aussi, il faut quelqu'un dans toutes les activités. Oui. Mais si jamais, tu fais pas le tennis. Mais, alors, il n'y a pas d'activité à faire. Ben si, tu roules, je sais pas, tu te promènes. Parce que là, pour un tennis, y a pas grand monde qui va te rejoindre. Bon, tiens, fais ce que tu veux, tout à part le tennis. Bon, c'est chiant. Tout à part le tennis? Oui. Ok, donc je peux faire le golf. Mais non, mais à part les activités, quoi. Oui, déjà, il manquerait un peu plus de vélos. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les vélos, ou pas des vélos, des trucs... Je sais pas, comme des trottinettes par exemple. Ah ouais. T'imagines des trottinettes ou des rollers. Des trottinettes électriques. Des rollers. Mais oui, des rollers. Un skate. Ouais, mais voilà, des trucs comme ça. Je sais pas, mais... Il faudrait qu'ils se bougent le cul aussi. Déjà, il manque une bonne connexion. Bon. Parce que à chaque fois, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Et si vous êtes un bon joueur quand même, ça a dû vous arriver. Par exemple, vous jouez à GTA,
Et ça vous met retour au mode histoire pour une raison inconnue. Je déteste quand ça met ça. Parce que c'est que il y a la connexion de quelqu'un dans une partie, elle est merdique. Ou tout simplement la connexion de Rockstar. Comment dire, le. Rockstar Game. Oui. Pas la connexion, le serveur, voilà, pardon, de Rockstar qui est soit trop nul ou trop. Enfin, je sais pas, mais moi je sais pas, mais faut qu'il. Mais putain, mais je sais plus ce que je voulais dire, je perds les mots à chaque fois. Mais Maud, arrête de casser ma bagnole là. Elle n'est pas cassée. Mais si. Faut qu'ils améliorent des choses sur le réseau Elle n'est parce pas que cassée. déjà, ça va pas. Regarde devant, elle est paniquée là, tu me l'as paniquée? Putain. Ah ben je vais la remettre dans le garage. Ouais, t'as intérêt. Après, il manquerait Il y a quelqu'un qui arrive là. Non, il part là-bas. Il manquerait un petit peu plus. Pourquoi il est jaune? Je sais pas. Un petit peu plus d'activité aussi. Par exemple. Parce que Rockstar, c'est bien. C'est bien le mec de mettre des activités, mais. Et ils en mettent, quand ils en mettent, ils en enlèvent. Alors je comprends pas l'utilité. Et voilà, il y a des gens avec Mais c'est bon, mais ils vont rien faire. Il y en a deux qui sont niveau 1, un niveau 14, l'autre niveau 44, c'est bon. Allez, vas-y. Après, il manque des voitures. Bon, je sais qu'il y en a une par pack, mais des packs, il y en a combien? Enfin, des DLC. Des DLC, il y en a combien? Par exemple. En 3 mois, on en a eu combien? Un. Voilà. Enfin, bon, en 6 mois que GTA est sorti, on a eu combien de DLC? 2, 3, c'est tout. On a eu des voitures. On a eu des voitures, des armes, des activités, mais après, c'est tout. On a aussi plus d'objets pour customiser. Là, je suis d'accord, il y a quelqu'un, je sais plus qui l'avait dit là. Qu'il l'avait dit, on en avait parlé. Putain. On en avait parlé. Et oui, il manque beaucoup, beaucoup, beaucoup de fonctions pour customiser les véhicules. Beaucoup, beaucoup. Parce qu'on nous a dit, oui, vous allez pouvoir les customiser à l'infini et tout Ben ça, changer voilà. les couleurs. De quoi? Oui, mais. Oui, dans le garage, je serai pas. Je peux pas Oui. Tu fais flèche de droite pour le prendre. En fait, il n'y a pas tellement de couleurs, pas tellement de jantes, pas tellement de roues, pas tellement de. On vous avait dit, vous allez pouvoir le customiser dans toutes les formes, toutes Linux, les. Voilà. Linus, ce vélo, c'est un vélo. c'est Tu sais que tu peux sauter comme ça. quoi comment Voilà, et. Il est où le skatepark? Attends, je lui mets un point de repère. Oui, aussi, n'oubliez pas de laisser un petit like, ça me ferait super plaisir. Arrête de taper sur tes genoux, ça m'énerve. Non, c'est pas fini. Mais j'arrive pas à trouver ce putain de jetpack de merde. Ah, Le mais. jetpack. Jetpack. Skatepark. Ah oui, d'ailleurs, j'ai eu des informations concernant GTA V sur Next Gen. Donc, cette vidéo, ça sera une vidéo informative. Enfin, que manque-t-il? Un petit peu informatif. En fait, le jetpack. Ouh là là, le skatepark. Tu fais ça, t'arrives et il est juste là. Et voilà, tiens. Donc, Il s'y était, c'était rien, là. Oui. Ah bon? Quelqu'un a trouvé le jetpack dans GTA V. Un modeur, un hacker, comme vous voulez, il est allé chercher dans les fichiers du jeu et il a trouvé un fichier Jetpack. Oui, vous avez bien entendu, le Jetpack d'un GTA V devrait arriver d'ici peu. Donc, un nouveau pack, sûrement un nouveau pack. Le vol qu'il a pris! Sûrement un nouveau pack, un pack Jetpack ou un pack, je sais pas quoi, mais quelque chose. Je comprends pas aussi pourquoi les BMX ils coûtent 800 euros alors que t'en as là, tu sais.
Il y en a un, deux. Oh, tu t'es suicidé. Après, qu'est-ce qui manque? Oui, oui, non. Je voulais parler, finir mon sujet sur la... La crotte. Attends, regarde. Juste, on découvre plein de trucs dans cette vidéo. Police and Jeff in the street. Et regarde la grosse. Je sais pas. Regarde la grosse. Vas-y, flingue-la. Vite, flingue-la. Bordel. C'était... Flic, oh. Mais voilà, mais t'es tellement nul que tu la rates. Ah là là. C'est pas vrai, ça. En plus, juste au commissariat, t'essayes de tuer une grosse. Oh putain, il est là. Sergent Michel, au revoir. Ouh, méchant. C'est le commissariat ici? Oui. Hop, on va faire tac, tac, hop. Et puis ça y... Oh putain. Putain, il voulait pas se déclencher le parachute là. Mais genre qu'on a besoin d'un parachute à cette hauteur. Oui, donc je vais y arriver. GTA 5 sur Next Gen, sur, donc sur PS4 et Xbox One, sortirait en juin 2014, soit celui sur PS4 ou soit celui sur Xbox One. Donc en juin 2014. Le problème, c'est que les deux versions, donc PS4 et Xbox One, auront 2 mois d'écart. Alors, 2 mois d'écart, donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est juste des petites infos, on sait pas trop si c'est vrai. Enfin, en fait, si c'est vrai, j'ai pas les images. Enfin, c'est pas si c'est vrai, c'est bien sûr c'est vrai. J'ai pas les images, mais quelqu'un sur une chaîne YouTube, il a trouvé une faille. C'est un site américain, il a mis en vente. Enfin, il a mis en vente. Une faille, en fait, c'est comme un bug. Par exemple, il avait un produit, il n'a pas fait exprès de le mettre en ligne, et donc tout le monde a pu le voir. C'est GTA 5 sur PS4 et Xbox 360... Non, Xbox One, pardon. Donc voilà, ça devrait sortir d'ici juin. En fait, dans le mois de juin, normalement. Avec 2 mois d'écart, soit ça sera le PS4 en premier, ce que je voudrais beaucoup. Et après, 2 mois après, celui de la Xbox, ou soit la Xbox, et après celui de PS4. Ça, on n'en sait rien, c'est Rockstar qui décidera. Oui, vas-y. Oui, mais hors sujet, mais vas-y. Ben, moi aussi, je trouverais qu'il manquerait, par exemple... En ligne, il y a des appartements et des immeubles. Et dans les mêmes immeubles, il y a tous les mêmes appartements. Ouais, voilà, oui. Bravo pour cette remarque. Les appartements, que ce soit celui à 500 000, celui à 360, celui à 200, comme vous voulez, dedans, c'est tous les mêmes appartements. C'est toute la déco, pareil, les garages, pareil, les toilettes, pareil, les WC, pareil. La salle de bain, pareil, la douche, pareil. Tout pareil, la cuisine, pareil. Ils auraient pu faire un effort, au moins. Faire, par exemple, je sais pas, mais si vous allez dans... Comme... Oh, l'esprit, il s'est pris pour qui, là? Enfin, comme bim, si... Bim. Si vous avez... Dans... Si... Je pense que vous êtes déjà allé dans un hôtel et si vous y allez, si vous allez dans deux hôtels différents, il n'y aura pas les mêmes apparts. Voilà, ça c'est un peu moins un peu moins bien de la part de GTA, de la part de Rockstar plutôt, d'avoir fait les mêmes apparts justement. Je trouve que c'est pas très bien, voilà. Donc, la vidéo fait... 14 secondes, non je vole, 14 minutes, c'est déjà pas mal. Elle est finie? Non, elle est pas finie, mais j'essaye de trouver des choses à dire. Oui, moi ça je l'ai inventé pendant que je jouais. Tu l'as trouvé pendant que tu jouais? Oui. Et mais sinon, au pire, dites-nous en commentaire ce que vous... Et elle est déjà finie?
Mais je sais pas, on verra. Dites en commentaire ce que vous trouvez qu'il manque dans GTA Online ou dans GTA au mode histoire. Dites-le en commentaire. Et ça fait deux fois hein, que tu te tues en BMX. Et tu manges pas ma manette, d'accord? T'as vu ça, le tableau, la courbe de ton téléphone. Ah ouais, donc... ah ouais, le tableau, on dirait trop la coque de mon téléphone. C'est trop. Je ferai bientôt... Toi, je ferai bientôt un concours à gagner, je sais pas quoi. Un concours, qu'est-ce que tu racontes? Oui, un concours pour faire gagner des... Pour faire gagner des choses. Oh quoi? Des jeux? Mais oui, par exemple, je sais pas, peut-être GTA 5 sur la PS4, je sais pas, je verrai. Voilà, de celui qui trouve la meilleure remarque. Et dis-toi, le loto. Ah oui, d'ailleurs, pour ceux qui voudraient savoir, je suis en partenariat avec deux networks. Donc les networks, c'est par exemple Sony, Microsoft, ça c'est des networks. Donc je ne suis pas en partenariat avec eux, je suis en partenariat avec Freedom, c'est un site anglais, et Full Screen, c'est un site anglais aussi, donc basé sur le gaming. Et donc c'est grâce à eux que je pourrais vous faire des concours. Et oui, je suis aussi en partenariat avec Machinima. Donc c'est grâce à eux aussi. Quoi ? Kesako ? Ben c'est un network. Je pourrais aussi... C'est quoi, network ? Un network, je viens de le dire. Ah bon ? Toi t'écoutes rien. Ben c'est grâce à eux en partie que je ferai des concours parce que ils me donnent tous les mois... Ah, ma trace de sang ! Ils me donnent tous les mois un bon d'achat de 7 euros. Ah, c'est juste. Non, pas un bon d'achat, 20 bons d'achat, je voulais dire, de 7 euros. Ça, c'est du luxe. 20 x 7. 27, non, je rigole. 20 x 7. Putain, pourquoi j'ai dit ça, là? Bon, voilà, ça fait un peu au-dessus de 60 euros. J'en ai marre, j'ai pas envie de compter, on est dimanche, là. Donc, demain, c'est Pâques. Donc... C'était pas aujourd'hui? Non, mais c'est demain quand je cherche chez eux. Mais moi, je comprends pas, en fait, voilà. Mais le vin, c'est aujourd'hui. Oh, le bug. Oh, le bug. Il dérapait avec sa casquette, ce boss. Le vin, c'est aujourd'hui. Mais oui. C'est le vin, pas que nous. Mais oui, mais je sais pas, en fait. Moi non plus. Voilà. Bonne journée. Mais donc le vin, c'est pas quoi. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, voilà. Donc, j'ai dit que j'aurai 20 bons d'achat de 7 euros le mois prochain. Parce que ça commence le mois prochain. Bien sûr, les sous, je les prendrai pas pour moi. Je les prendrai. Mais vas-y, elle a la calculée. 20 fois 7. Oui, 20 fois 7. 20 fois 7. 140. Donc voilà. Non, j'ai à peu près 140 euros. En fait, je crois que c'est tous les deux mois. Ouais, voilà, c'est tous les deux mois. Tous les deux mois, j'ai 140 euros. Oh, bien non. Sûr, j'en prendrai. Je mais prendrai. C'est GTA. Mais non, en vrai. Dans ta tirelire ? Sur YouTube, dans ma tirelire. Elle est sauvée, elle. J'en prendrai 0,0000%. Je prendrai tout pour les concours. Je mettrai tout. Arrête, Maud. Je prendrai tout. Enfin, je mettrai tout dans les concours, dans les jeux. J'achèterai des jeux et je les ferai gagner. Je les prendrai en aucun cas pour moi. Parce que j'ai un partenariat. C'est pas pour me faire gagner de l'argent à moi. C'est avant tout les abonnés. Et ensuite, on verra. Parce qu'ensuite, si j'ai plus de popularité et tout ça, on verra si je gagne ma vie avec ça. Voilà, tu vois, c'est ça qui l'énerve. Il y a des toilettes. Ça serait bien que dans GTA, on puisse faire pipi ou caca. Il y a des toilettes. Eh ben non. On peut pas y aller. Ça serait aussi utile, voilà, un restaurant.
Oui, je sais pas, voilà. Pas des plats compliqués. Ah ouais. Pas des, par exemple, des trucs gastronomiques. Par exemple, des pâtes à la carbonara, des burgers, je sais pas. Des pâtes à la carbonara. Regarde, le seul truc que tu peux faire, regarde, prête, pour manger, c'est ça. Hop, inventaire. Hop, tu vas tout en bas. Voilà. C'est ça qu'ils appellent manger dans GTA. Hop, déjà il. En plus, il a fini même pas. Voilà. Il mange un morceau. Voilà, tu fais ça. Hop. Et voilà. Voilà. Et après, pour boire, hop, tu prends un coca. Et tu pollues. Et c'est tout. Oui, après. Attends, mais j'ai pas fini. Des restaurants ou des docteurs, des hôpitaux. Des hôpitaux. Des hôpitaux. Ça, peut-être moins. Dans GTA, il y en avait quand même. On pouvait rentrer dans les hôpitaux. Mais On peut pas là. Là. Ouais, les hôpitaux. Les hôpitaux. Les hôpitaux, ça serait peut-être utile. Et quand. Oui. Les hôpitaux et aussi les restos. Voilà, ça, les restos. C'est... Mais juste des pâtes à la carbonara ou des frites ou des burgers, je sais pas. C'est des cachet frites. Voilà, mais des trucs pas compliqués, mais qu'on puisse manger. Par exemple, t'es avec. T'es avec 2-3 amis, tu vas au resto, tu manges, voilà, comme dans la vraie vie. Et puisque c'est un simulateur de vie, je sais pas. Aussi, les hôpitaux, ils seraient bien parce que... Enfin, des fois, je comprends pas ce que je veux aussi, mais... là, par exemple, ils viennent de se casser la jambe, là, non? Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Non, ça serait quand même un peu lourd d'aller à l'hôpital à chaque fois que tu tombes un BMX, ouais. Ou alors, oui, voilà, pour une petite trousse de soins que tu as dans l'inventaire, trousse de soins. Alors tu fais ça, par exemple, là, au-dessus, trousse de soins, et puis voilà, tu te soignes. Là, j'ai pas toute ma vie. Et bien, une petite trousse de soins, hop, tu as toute ta vie. Des trucs tout con, mais qui pourraient faire gagner au jeu des délires encore mieux. Enfin, je sais pas, mais... Des trucs tout petits, tout con. Enfin, tiens, reprends la manette. Je sais pas, je... On se demande... Ben en fait, on dirait qu'ils créent un jeu et après, ils s'en foutent. On dirait qu'ils font ça, GTA. Enfin, pas que GTA, je veux pas accuser GTA en priorité, mais... Rockstar. Je veux pas accuser Rockstar en priorité, mais... Ils font un jeu... Mais ils ajoutent du contenu tous les 3 mois, alors évidemment, c'est pas en ça que le jeu il va être meilleur et on va vouloir... Attention, il y a un joueur, par. C'est pas en ça qu'ils vont faire rester des joueurs... Voilà, je sais pas, mais ça paraît logique de rajouter du contenu un peu régulièrement, enfin... Je sais pas. Parce que là, en tout cas, c'est pas régulier. Hein. Les DLC qu'ils ont. Aussi, Vas-y. Aussi. Vas-y, assieds-toi, Maud. Parce que si tu t'éloignes du micro. Aussi. Par exemple. Par exemple. Enfin, je sais pas comment dire, mais. Tu vois, par exemple, quand tu montes dans une voiture. Voilà, arrête-toi, s'il te plaît. Quand tu montes dans une voiture. Hop, voilà. Déjà, Burger Shot, tu l'ouvres, tu fais un décor dedans, t'entres, tu manges les McDo, les frites, et voilà, c'est tout. Attends, je rêve, le McDo, il est à 99$. Je rêve pas. Ok, 100€ le sandwich, c'est quand même... Mais non, 99 centimes, il y a un C à côté. Ah oui, pardon. Je croyais que c'était de l'humour, parce que des fois, il y a beaucoup d'humour. Mais voilà, je sais pas... T'ouvres ça et tu peux manger dedans. Voilà, c'est l'exemple que je voulais donner. Aussi, en parlant de ça, là, tu vois, on peut braquer que des petites supérettes comme ça. Vas-y, entre. Là, il y a marqué burger. Voilà. Voilà. Et tu là, peux... t'achètes. Non, ne braque pas, s'il te plaît. Sinon, j'aurais les flics. Voilà. Or, là, on n'a même pas de... Non, on n'a pas d'hamburger. Voilà, on n'a même pas d'hamburger. Oui. Ouais. Tu vas pas acheter des hamburgers sous vide dans un bureau de tabac, quoi. Ah, mais c'est un bureau de tabac. Mais... Voilà. En fait, on ne sait pas. Ils ont essayé de tout caser dans un périmètre réduit.
Regarde, il y a de l'alcool, il y a des glaces. Ah non, c'est de l'alcool. Il y a de l'alcool, il y a des affiches. Il y a... Elle est un peu chelou, l'affiche. Mais bon, j'allais pas sortir là, mais parce que... Il y a des cartons, il y a des trucs pour acheter, il y a des trucs, il y a de l'alcool, il y a voilà, des cigarettes. Voilà, mais par exemple... Ils ont essayé de tout casser et après, ils en sont... Voilà, foutus. Mais il n'y a pas de choses à manger. Oh putain. Et voilà. J'en étais presque sûre. Il n'y a pas de choses où tu... Par exemple, il n'y a pas des frites, il n'y a pas... Voilà, mais oui. Il n'y a pas de la purée, il n'y a pas des pâtes, il n'y a pas après de la viande, je sais pas, mais... Tu l'as éliminé, ça. Salaud. Ouais, je lui pique sa caisse. Allez, rentre. Je lui pique sa caisse, je dis. Voilà, je lui pique sa caisse comme un gros voleur. Mets-la dans ton garage. Attends, on va faire un truc très bâtard. Non, dans ton garage. Oh merde, il m'a fait descendre. Oh putain, on y était presque hein, quand même. Crave les pneus. Voilà, connard. Donc, on était en train de croire. Voilà, moi j'étais en train de dire, faudrait qu'ils fassent par exemple des supermarchés qu'on pourrait braquer. Mais des vrais supermarchés. Oui, comme non, dis pas de marque. Mais des vrais, pas des petites, des petits bureaux de tabac comme ça. Des vrais Intermarchés, par exemple, une grande surface. Non, par exemple, une grande surface. Mais je sais pas, Oui, parce que à force, il n'y a que soit de l'alcool, soit du vin, enfin des choses comme ça, quoi. Mais il n'y a jamais de frites, d'hamburger ou... Putain, flingue. Flingue-le. Mais attends, il est en mode passif. Il va s'enlever du mode passif, je suis sûre. Eh oui, salaud, je t'ai pété ta caisse. T'es deg, hein, bâtard. Ah, il voulait monter ce clou, là. Elle est tombée. Regardez comment mettre dans le vent des flics. Hop, hop, là. Ça vente. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit. Moi, je me suis quand même lâché là, sur ce que je voulais. Mais parce que c'est chiant aussi... En fait, le truc, c'est qu'ils nous ont trop vendu du rêve. Voilà, et aussi, voilà. Parce que, par exemple, dans la mer, quand il y a des bateaux, des fois, il y a des bateaux avec des portes. Et tu montes dessus, la porte, elle est, tu peux pas y rentrer. Ça sent. Ah oui, voilà, c'est tout. Rentres et puis voilà, ils vont pas fermer la clé dans un bateau. En plus, un bateau au milieu de la mer fermé à clé avait personne dedans. Mais voilà, déjà c'est n'importe quoi. Et ensuite, on pourrait au moins rentrer dedans et... Mais voilà, puisqu'il y a personne dedans, il aurait fermé à clé. Oh putain, moi je bug. Il aurait fermé à clé, il serait encore dedans. Oh là là là, bug de texture. Hein? Voilà, ouais, mais oui. Donc... Comme il n'y a personne, tu peux y rentrer. Ouais, attends, je vais essayer. Voilà, mais c'est ça qui est chiant. Oh, genre! Je lui passe à travers. À qui? Mais au mec. T'es sérieux? Ah, mais il fait une activité. Mais regarde. Oh, mais t'es sérieux, là? Mais il doit être dans l'activité, c'est obligé. Là, on a à peu près tout dit. Ouais. Voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'ils nous ont trop, vendu du rêve. Et en fait, on en attendait plus. Mais... Enfin, comme... Bon, mais voilà. Comme si GTA 5, ça a augmenté de GTA 4. Enfin, c'est oui, mieux. Oui, c'est le nouveau, quoi. Et bien, il doit quand même y avoir des choses mieux avec beaucoup de commerçants et tout. Oui. Après, ils nous donnent des trucs pour s'habiller et. Oui, voilà. Pour s'habiller et tout, mais jamais des choses pour manger. Oui, mais aussi, en parlant de trucs pour s'habiller, il y a même les flics de la campagne qui viennent.
en parlant de trucs pour s'habiller, on n'a pas assez de choix d'habits. Oui. On n'a pas... Vas-y, parle. Il y a comme... T'as que... Des fois, t'as des trucs moches, en plus. Mais oui, mais t'as après... T'as des petits shirts à carreaux, là. Ça, c'est les goûts, hein. C'est... Ils vont pas... C'est le goût, ça. Bah... Oui, c'est les goûts. Si t'as un mauvais goût, tu prends ce t-shirt, mais bon. Et bon, après, pour soi... Elle fait déjà 30 minutes, la vidéo. On a bien parlé, là. Pour choix, pour... comment dire... Pour se choisir les habits... Il faut, il y a pas beaucoup de choix, donc il faut prendre celui qui vous plaît le plus après. Mais viens à côté du micro, on t'entend pas là. Il faut prendre celui qui vous plaît le plus pour s'habiller. Et donc après Oh, genre, oh, mais dégagez là les. Des fois il y a des voilà, t'as pas beaucoup de choix déjà. Oh, quand on m'énerve, lui. Ouais, d'accord. T'en as qui l'avance. Mais oui, il m'a arnaqué. Aussi, oui, on pourrait quand même se créer des designs de t-shirts. Enfin, oui, je sais pas, mais. Voilà. Voilà, se créer des designs. Bon, après, bien sûr, il y a des connards qui feront des signes nazis et tout ça, mais. Mais. Non. Ben voilà, par exemple, les commerçants, c'est GTA 5, ça a augmenté de GTA 4, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc, dans GTA 4, on ne vendait toujours pas de, je sais pas, comme des frites, de la purée, des pâtes. Tu veux ce qu'on a mangé, toi. C'est ce qu'on a dit. Mais GTA 5, ça a augmenté. Donc, après... Faut pas qu'ils s'occupent que des voitures, faut qu'ils s'occupent d'autres choses. Mais voilà, exactement, exactement. Si ils s'occupent que des voitures, rien n'augmentera, il y aura que les voitures. Et donc, il faudrait que ça augmente par rapport à avant. Voilà, il en faut que pour tout le monde. Enfin, il en faut pour tout le monde, pas que pour les autres. Oui, parce que sinon, c'est nul. Hop, on le fout dans l'eau, le flic. Allez, salut! Merde. Sur le pont d'Avignon, on y dansait. Non, droit d'auteur. On était partis, nous. Voilà. Aussi, voilà. Bon, vas-y, parle. Elle va durer 40 minutes, cette vidéo. On va prendre une petite moto. Hop. Voilà. En fait, comme Lucas a dit, il y a des restaurants... fermé. Il y en a, en fait, il y a pas de, il y a des restaurants, mais ils sont tous fermés. Ouais. Alors voilà. Après, il faudrait que, par exemple, des gens comme des. Comme des SDF. Je sais pas. Non. comme des maçons ou des choses comme ça qui les rétablissent. Voilà, mais oui. Qu'ils en fassent des. Des restaurants... Mais viens à côté du micro, mode. Qu'en fasse des restaurants tout nouveaux, au moins on aura de quoi manger au lieu d'aller qu'au magasin. Après, les restaurants, c'est vrai qu'il n'y a pas de... Voilà, dans GTA 4, ils n'y étaient pas non plus. Non. Voilà, ils n'y étaient pas non plus, donc ça a augmenté. Et donc, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, faut pas s'occuper que des voitures. Faut s'occuper d'autres choses aussi. Mais le problème, c'est que j'ai oublié ce que je voulais dire. Problème. Oh. Oui, aussi. Le truc... j'ai crié comme un porc. Le truc qu'ils ont rajouté, là... Complètement inutile d'appeler Lister, de payer 3 000 $ ou 5 000, je sais même plus tellement c'est inutile. Et de pas avoir les flics, que les flics ferment les yeux pendant 3 minutes, c'est nul. Nul. Au moins qu'ils fassent un mode de jeu où il n'y a pas de flics. Voilà. Je sais pas, un mode de jeu... Aussi. Mais dis pas voilà. Un mode de jeu où il n'y a pas de flics, je sais pas. Parce que payer... 5 000 $ à chaque fois pour que pendant 3 minutes les flics ils t'arrêtent pas, c'est bon, hein. Voilà. Et aussi, par exemple,
quand il y a quelqu'un, par exemple, qui le bouscule avec un vélo sans faire exprès ou quoi, des fois il veut se battre, et lui, quand il te tape, il n'a pas les flics, et toi, quand tu le tapes, t'as les flics. Mais oui. Ça, après, je crois que j'ai jamais vu de à part les vrais joueurs comme toi, enfin voilà. Après, les personnes là, comme les flics, les gens qui courent là-bas. L'autre, elle a disparu d'un coup. Ouais. Ah non, elle est là-bas. Et bien, aussi, eux, ils sont jamais arrêtés par la police, par exemple. Tu vas t'asseoir et tu vas parler devant le micro parce que dans la vidéo, on va pas t'entendre, bordel. Il est sérieux, lui? T'as fait la roulée avec elle? Oui, et j'avais pas fini. Eh bien, allez, vas-y. Voilà, ça, devant, c'est pas un restaurant. Voilà, ça. Alors, peut-être, bon, on va pas tous se mettre contre Rockstar, mais peut-être que dans le prochain DLC, ça sera un magasin de voitures, par exemple. Voilà. Voilà, par exemple, il y a des voitures. Il y a tout de couvert. Faudrait qu'il le retape, au moins on a... Qu'il le retape. Oui, ben mais oui. Peut-être que c'est prévu, hein. Peut-être que c'est prévu, ça, on n'en sait rien du tout, mais... Oui. Faudrait qu'il le retape, même si c'est prévu, pour qu'au moins il y a des magasins de voitures... Au lieu de les acheter sur internet, voilà. Il y a des magasins pour aller les acheter en ville au lieu de toujours les avoir sur internet. Oui, alors aussi, ok, les voitures qu'on achète sur internet, on les achète sur internet, mais je sais pas, quand tu vois que t'as de l'argent, comme moi là, bon, là j'ai 550$, quand tu vois le prix des voitures, ok, par exemple, si t'as, je sais pas, mets une voiture à n'importe quoi. Voilà, voilà. Vas-y, parle, je t'en mets une. Mais non. Par exemple, c'est pas une blague. C'est quoi cette voiture-là? Laquelle? Celle-là où il y a marqué puiser, là. Rouge verte. Rouge. Ah, Hot knife. Alors, par exemple... Baisse. Oui, par exemple, juste, parce que là, c'est moi que... Bon, après, on va pas dire, mais il y a des voitures gratuites, mais c'est le plus nul. Bon, une fois, custom, elles sont jolies. Mais bon, quand tu vois que... Bon, la dernière mise à jour, c'est la mise à jour business. Ou business, autrement dit. Donc, quand tu vois le prix des voitures, c'est quand même... tu te demandes s'ils se foutent pas de toi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ah, et voilà, quand tu vois le prix des voitures, bon, on va pas se mentir, la Turismo R, c'est 10 fois la ADR. Ok, 500 000. Donc, la ADR, 1 million. Je sais pas ce qu'ils ont avec la ADR, mais la ADR vaut beaucoup moins que la NTT. Mais par exemple, tu vois cette voiture blanche là, le devant il est pas très joli. Ouais. Et ça coûte 195 000. 185 000. 185 000. Mais oui, mais... Pour une voiture un peu nulle, tu vois. Le prix, c'est exagéré. T'as pas une voiture en dessous de 100 000. Comment voilà. Tu veux, à part faire 10 000 activités par jour, comment tu veux t'acheter une voiture Voilà. Si t'as pas de voiture, et que, par exemple, mettons si t'es SDF... Oui, attends. Et puis, si t'as pas de voiture, que t'as juste un petit téléphone, tu regardes sur internet les voitures et tu les vois toutes chères. Tu vas venir ici, putain. Tu vois sur internet les voitures et tu vois tout cher, donc... Ah oui, donc après, ils peuvent pas avoir de voiture, ils doivent toujours faire... Je sais pas moi, faire du stop... Ou des trucs comme ça. Bon, tais-toi, parce que là, c'est nul. Mais en sachant que les voitures de luxe, par exemple, que tu trouves dans la rue, comme... Bon, toutes là, tu peux les mettre dans ton garage. Par exemple, quand tu trouves, mettons, une voiture dans la rue, qu'est-ce qu'on peut trouver dans la rue de ces voitures? Eh bien, tu l'as pas trouvée. Attends, il y en avait une que j'ai prise là dans cette vidéo. Que j'avais trouvé dans la rue. Une Banshee, par exemple. Tu peux la prendre dans la rue, oui. Non. Enfin, voilà, oui, tu peux la voler dans la rue, la rentrer dans le garage, jamais de la vie. Donc, à quoi ça sert de voler une Banshee dans la rue
Si tu peux pas la rentrer dans le garage. Voilà. Et après. Et de pas la rentrer dans le garage. Aussi, je voulais te dire quelque chose quand t'as parlé de SDF. Les SDF, ça a servi à rien du tout dans le jeu. Ils ont mis des SDF dans la rue. Ah bon? Ça a servi à rien du tout. Il ferait mieux de rajouter du contenu que de mettre des SDF sur les trottoirs. Alors là, j'ai trouvé que c'était vraiment exagéré de la part de Rockstar. Bon, d'accord, les pauvres, ils sont dans la rue. Faut pas les oublier, mais de là à les mettre dans un jeu où on peut les tuer, les massacrer, les faire flamber, les écraser, tout ça. C'est pas très gentil. C'est nul, même. Ouais. Et aussi, pourquoi ce que je voulais dire. Oh, elle est belle, cette voiture. C'est une voiture à un joueur. Ce que je voulais dire, c'est que comme Luc. Hop, je lui pète la vitre, tranquille. Comme Lucas a dit, les voitures, voilà ce que j'ai dit tout à l'heure, les voitures, tu les voles, tu peux les rentrer dans le garage. Enfin, je sais pas, mais c'est ton garage. Tu rentres les voitures, après... Tu rentres les voitures que tu veux. Ben voilà. Voilà. Pourquoi tu pourrais pas rentrer une voiture que t'as volée dans la rue? Mais voilà, mais c'est... C'est ça qui est chiant, putain, parce que... Il y a du monde qui arrive là. T'as vu comme il y a une vidéo de... C'est marqué où le temps? 41 minutes. 41 minutes, donc c'est une très très longue vidéo. Non, on s'en fout. Non, mais c'est bien, on a des trucs à dire. Et voilà, et donc... oui, j'étais dans quel sujet là? Ah oui, voilà. Les voitures. Comme on peut pas les rentrer dans le garage. Pourquoi ils inventent ça? Alors que, par exemple, les belles voitures, elles, tu peux pas. Mais normalement, tu pourrais. Et les toutes moches, les vieilles et tout, elles, par contre, on peut. Ah oui, elles, on peut donc, rentrer tant qu'on veut. Mais voilà. C'est pour... C'est ça. C'est... Mais moi, pareil, je sais pas, mais là, tu voles une voiture dans la rue, tu peux la ramener chez toi. Mais oui, mais... Mais voilà, c'est ça qui est... C'est... Cette voiture, par exemple, là, toute la mini, tu peux la rentrer. Mais après, les belles comme celle du joueur, si t'en trouves une dans la rue à peu près belle comme ça... Qu'il soit pas un joueur, précise-le. Parce que... Voilà, qu'il soit pas un joueur, parce que... Oui, après, les voitures de joueurs, tu peux pas la rentrer dans le garage, ça oui, c'est évident. Ça c'est oui, voilà. Waouh. Et voilà. Après... vas-y, parle sur. Ben non, j'ai plus rien à dire. T'as plus rien à dire? Genre que j'ai les flics. Mais oui, j'ai volé une voiture. Voilà, je vais plus vite que toi, ok? Comme toi. Avec ta mini, non? Ah oui, moi, tu te rends compte au début du jeu, ça c'était ta voiture personnelle. Ouais. Ma voiture perso. Oh, laissons. Non, arrête. Droit d'auteur. Arrête, Maud. Ne m'échonne pas. Oh putain. Oh, mais il est fou lui. Espèce de takraï. Je sais pas ce que ça veut dire. Et aussi, voilà. Tout à l'heure, par exemple, les courses, c'est des véhicules qu'il y a dans GTA. Mais par exemple, si on avait des trottinettes ou des rollers, on pourrait faire des courses de rollers ou des courses de trottinettes. Voilà, ça aurait, ce ça, bien, ça aurait été mieux que faire tout le temps. Et tu le crois ça? Je me suis coincée. De faire, ça serait mieux que faire tout le temps des courses de parachute, d'avion, d'hélicoptère. Les sauts en parachute, ouais. De moto, de voiture, de vélo, voilà. De trottinette ou de roller. Mais oui, c'est... Des véhicules. Il t'a fait un doigt d'honneur, l'entrée. Qui? Celui dans la voiture noire. Ah ouais? Ouais. Il a son... Ah ouais. Lui, là? Dans une voiture noire. Il était là-bas? Celle-là, là-bas, oui. Ok, ouais. Il va voir comme il va flamber sa race. Et si voilà, ça serait bien. Des véhicules en plus. Enfin, voilà. Des véhicules. Pas des voitures améliorées, mais des véhicules qu'il n'y a pas. Qui n'existe pas dans le jeu. Alors, bâtard, tu t'es et mis après, à me faire des doigts? Après, je sais pas, mais des magasins de jouets ou des trucs comme ça. Enfin, ça, y a pas. Mais dégage-toi avec ta touffe, là. J'ai rien contre les touffes, mais lui, là, il m'énerve. Ça, y a pas, par exemple, le magasin de jouets, après, je comprends bien, mais c'est quand même une ville. Mais oui, et mais... Dans une ville, il doit quand même y avoir des...
des magasins. Même si dans le jeu il n'y a pas d'enfants, donc je reproche pas qu'il n'y ait pas d'enfants parce que ça serait pas très bien de les tuer. Voilà. Ou quoi. Mais après, quand même, c'est une ville. Donc les villes, elles ont quand même des magasins. Mais oui, elles doivent vivre. Voilà. Par exemple, les restaurants d'où tout à l'heure, il doit y en avoir. Mais par exemple, je le redis, n'oubliez pas, si vous êtes arrivé. Bon, on va faire un truc. Si vous êtes arrivé ici, jusqu'à ici, à la vidéo, ben, vous mettez j'y suis arrivé en commentaire. Et puis voilà, au moins je verrai jusqu'où vous allez dans les vidéos. Et ensuite, oui, je voulais dire, pourquoi ne pas mettre des jeux vidéo dans GTA ? Ouais, voilà, c'est vrai, c'est tout con, mais par exemple, GTA c'est avant tout un jeu vidéo, donc pourquoi pas mettre des, par exemple, une Play, je sais pas, une Xbox avec GTA 5 ou. Ouais. Je sais pas, des trucs. Enfin, nous, on est des simples gars et on a plus d'idées qu'eux. C'est... Voilà. Il tue un flic, lui il... Ouais, c'est ce que je me disais. Qu'est-ce qu'ils font là? Je sais pas, je crois qu'il bug. Il tire dans le garage. Ouais, il tire dans le garage, ouais, bon. On va pas s'attarder là-dessus parce que. Mongolien. Mais voilà, bon. Voilà. Bon, là, il y a un choix déjà. Après, on est que à un millième du jeu, mais. Non, il est parti d'un coup. Hein. On est que à un millième du jeu, c'est ça le truc. Je précise qu'on commente en live. Donc je fais gaffe, y'a un qui arrive là. Regardez. Ah, mais il a un hélico. Vas-y, pose-toi avec ta carriole. Donc après, dans le mode histoire, par exemple, Michael, il a un enfant, fait. Mais cet enfant, tu peux pas le tuer. Enfin, on est d'accord, mais après, faut pas qu'il y ait d'autres enfants. Des enfants comme des... Mais tu vas t'asseoir, mais je comprends pas. Là, tu m'énerves, Maud, hein. Des enfants comme les adultes. Ouais, des enfants comme les adultes, ouais. Mais je sais pas, mais... Michael, dans le mode histoire, il a un fils. Il a un fils. Oui. Donc voilà. Mais Jimmy. Jimmy. Il a un fils qui s'appelle Jimmy. Et donc, voilà, lui, tu peux pas le tuer, par exemple. Non. Comme je... Mais oui, c'était pas une question. Ah. Mais tout à l'heure, oui, comme j'ai dit tout à l'heure, il ne faudrait pas qu'il y ait d'enfants. Et comme a dit Lucas, les SDF, voilà, ne servent à rien. Et voilà, et là, après... Mais tu sais ce que tu dis ou pas, là? Oui. Ah. Après, dans les égouts, comme il y avait... Oui, vas-y. Comme t'es passé de... Enfin, je sais pas. Comme t'es passé devant. Comme dans lesquels... Voilà. Comme lesquels on a vu. Enfin, je sais pas quoi dire. Voilà, je sais pas comme quoi. Ceux qu'on vient de voir. Voilà. Enfin. Oh là là, le flic, il a fait tomber le mec. Comme ceux qu'on vient de voir. Et donc... Bim, dégage. Là, par exemple, des fois, on se demande pourquoi il y a des tunnels. Ouais. Parce que les voitures, je crois pas qu'elles viennent ici. Enfin, c'est pas un endroit où à faire, je sais pas. Où on va faire les courses. Et aussi, après, des fois, quand tu... Bon, après, je veux pas dire que l'égout... Je veux pas dire que l'égout, là, l'égout, il est profond. Et quand même, on dirait du coca. Ouais. Faut voir que si t'en bois, tu vas te sentir mal. Mais par exemple, je veux pas dire que c'est profond, mais quand même, le moteur, la voiture, tu roules dans l'eau, ouais, elle ouais. Marche pas. Ouais, mais en fait, ce qui est... Ouais, enfin, voilà. Je suis ce que tu dis. Par exemple, pas dans les égouts, mais dans les trucs, dans les égouts extérieurs, on va dire. Qu'il y a... c'est quoi ce camion? Dans les égouts extérieurs, tu vois, en dessous des ponts. Tu vois ou pas un peu? Oui, en dessous des ponts. Ouais, dans les espèces de rivières. Oui. Et bien voilà, là,
Oui, d'accord, tu restes 10 secondes dans l'eau. Ok, là, c'est bien, le moteur il se pète, tu peux plus rouler, tout ça, t'es dans la merde. Oui. Ok, d'accord. T'es dans les égouts, t'as 1 mètre d'eau, tu peux rester 1 heure si tu veux, le moteur il se crèvera pas. Donc c'est. Il se crèvera pas, noyé, il se noiera pas, Et putain. aussi, ce qui manque dans GTA, c'est, par exemple, là, on est à la campagne, il y a beaucoup de montagnes, il y a beaucoup de verdure, et donc, il manquerait d'eau des choses comme des pique-niques ou des. Voilà, Ouais, des ouais. pique-niques, des, je sais pas, des. Après, des randonneurs, il y en a, et tout, mais des pique-niques, parce qu'il fait, fin, voilà. Mais oui, elle fait 50 minutes la vidéo, j'ai jamais fait aussi long. Quoi? Ouais. C'est. Hein? Eh ben. Dans 10 minutes, ça fera 1 heure qu'on parle. Ah bon? Ouais. Mais on s'en fout. Mais ce qui me fait chier aussi, c'est que je vais pas dire que je me fais chier à faire des vidéos, mais je fais des vidéos. Non, si je me ferais chier, j'en ferais pas. Rigolo. Ouais. Et mais voilà, vous pouvez voir que je suis niveau 41. Ça fait 3 fois, je crois, dans la vidéo, qu'on le voit. Bon, bref. Qu'est-ce que j'étais en train de dire quoi là? Que dans les vidéos, t'aimais. C'est pas que t'aimais pas, Oui, mais. voilà. Dans les vidéos, c'est pas que j'aime pas faire des vidéos, mais il n'y a pas. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh, Albert. Albert. Il n'y a pas les 3/4 de mes abonnés qui les regardent jusqu'à la fin. Bon, là, ok, 50 minutes de vidéo, moi je les regarde pas à la fin. En général. Sinon, des fois, quand j'ai rien à foutre, que je suis malade et je les regarde. Bon, ça, tout le monde s'en fout, mais je les regarde jusqu'à la fin. Mais voilà. Bon, on va arrêter la vidéo là. Ah, j'ai un truc à dire. Allez, Par bon, exemple, vite. un jet ski. Garde à vous. Qu'est-ce qu'il fait là? Garde à vous, chef! Oh, j'ai 2 choses. Un jet ski. Quand tu prends du jet ski, des fois t'en as dans la mer alignée. Ouais. Des rouges, des bleus. Ouais, sur la plage. Voilà. Et On bien dirait qu'il y a là. une grosse étiquette sur la casquette, j'aime pas. C'est vrai, il y en a une en plus. Ouais. J'aime pas. Voilà. Alors voilà, quand tu t'en vas loin, l'eau, elle est infinie. Enfin, Ouais. non, oui, elle est infinie, donc tu peux continuer. Mais dans GTA 6, ça serait bien qu'il y ait des continents. Il y ait des continents, par exemple, Ben voilà. tu prends un jet ski, tu vas un peu. Là, par Tu exemple. vois, par exemple, que tu mets 10 minutes à aller. Mettons là, t'es en France, tu traverses la mer, tu En vas en Amérique. Afrique. En Afrique, voilà. Mais des continents, mais. Mais je sais pas. Voilà, des. Voilà. Tu traverses la mer, tu. Enfin, en minute, tu mets 10 minutes et tu t'es dans un autre continent. Par exemple, Voilà. je parle de GTA 6 là. Si par exemple, il pourrait le faire. Bon, il va pas sortir encore. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Merci. Par exemple, tu dis à ton pote, ouais, t'es où? Ben, moi, je suis en Amérique. Oh merde, moi, je suis au Japon. Bien, on se rejoint où? En France, ben, ok, voilà. C'est quoi cette grosse masse moche? Ah oui, d'accord. C'est un arbre. Ok, je croyais que c'était un ballon gonflable. On dirait. Ma pauvre voiture qui est toute On disait noyée. quoi en fait? On Ah parlait du oui, continent. continent. Voilà, je peux dire. Oui, vas-y. Voilà. Et les Viens continents. au micro. Oh là là, mais toi, tu peux pas tenir, hein. Les continents. Voilà, les continents par exemple. Ça serait bien, au moins tu pourrais rencontrer des gens. Enfin, tu pourrais vivre dans un autre monde. Pas Voilà. vivre par exemple pas qui est d'autres restaurants par exemple dans un continent il n'y a pas de restaurant dans un autre t'as la ville et t'as la ville faut qu'elle vive Mais oui, et voilà mais. Hey, après le chat a tué Renard. les animaux ils se tuent voilà et Le chat a aussi tué Renard, ouais, d'accord. Que je n'aimerais pas qu'il y ait des
animaux. Putain, mais mode, tu vas te mettre devant ce micro de merde. Parce que... C'est pas un micro de merde. C'est des animaux. Il y en a. Il y en a déjà. Oui, mais des animaux comme des chats, des chiens, des ou des brebis. Non, des brebis pour manger le mouton. Des chats ou des chiens, parce que tuer des chats ou des chiens, ça serait pas très amusant à faire, quoi. 55 minutes. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et n'oubliez pas de laisser un petit like. Ça me ferait super plaisir. Ça fait 3 fois que je le dis. Mais voilà, c'est la fin. Et à la prochaine. Salut!